Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la suite de nos aventures sur la map Castelnau. Et donc du coup, aujourd'hui, comme chaque fin de semaine, j'ai envie de dire comme tous les dimanches, le petit résumé des lives du week-end et puis de la semaine sur cette petite partie tranquillement. Donc cette semaine ça a été très calme, hein. on était très peu. Et du coup le peu que j'ai joué, j'y suis pas resté très longtemps. Donc il n'y a rien eu de spécial, si ce n'est... La récolte du champ 3, 5 et 73, il y a eu le semi, etc., etc. Et donc, du coup, ça c'était pour la semaine dernière. Vendredi, messieurs, donc vendredi, je crois justement, il y a eu la fin du roulage dans le 73. Du plombage dans le 73. Ensuite, on a commencé les contrats de foin et d'enrubané, et oui, la fameuse ribambelle de contrats à la suite. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu la récolte dans le 97 aussi cette semaine, c'est cette semaine. Et donc du coup, voilà pour vendredi, il y a eu pas mal de contrats et tout. Donc, des petits trucs par-ci par-là. Pas d'achat, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et puis samedi, donc hier, il y a eu l'achat du Lamborghini. Donc on a revendu le K5140, si je dis pas de conneries. Et on a acheté le Lamborghini que John a refait. Et donc du coup, voilà, nouveau tracteur, effectivement. Et une cuve à lésier par la même occasion. Et donc du coup, voilà globalement pour ce qui est des achats. Là, je suis en train encore de vendre les bottes des contrats, mais c'est quasiment fini. Et j'ai des bottes d'enrubané à vendre pour nous. Donc voilà un petit peu où on en est. Il n'y a pas eu de gros achats, hein, effectivement. Mais quand même, un remplacement de tracteur et une cuve à lésier. Donc on va faire un petit peu quelques économies d'engrais. Parce que là on a pas mal de lésier à épandre. Donc c'est plutôt sympa. Et ensuite on verra, moi j'ai peut-être projet futur de remplacer le Dutz, donc celui-ci, hein, par le Steer 8050. Donc le mode I, pas celui d'origine. Alors c'est tout simplement celui d'origine qui a été un petit peu modifié, où on peut ouvrir les portes du tracteur et il est un petit peu boosté. Mais bon, pour le moment voilà, le Dutz c'est pas trop mal. L'autre après il a un peu plus de puissance et il roule à peine plus vite, donc ce serait pas plus mal pour les bottes, je pense. Et pour le moment on va rester un petit peu là dessus on va renouveler un peu le matériel. Il y a peut-être aussi l'achat d'ATM pour Maki, ce qui nous amènerait à 8 tracteurs. On est 8, ça tombe bien. Alors on est rarement les 8 sur la partie en même temps, mais voilà, disons que ça va très vite, hein. Il suffit que quelqu'un et besoin de tracteurs pour un chantier par exemple, et donc du coup il y en a très rapidement un qui a plus de tracassin. Et donc du coup voilà. Surtout que le David Brown, on a en donné avec vendredi soir avec Maki, donc Maki a commencé et moi j'ai fini, mais on a réussi à en donner avec. Mais sinon voilà, tu peux pas t'en servir pour faire 15 000 trucs non plus, donc effectivement ça nous met un tracteur de moins. Et puis, disons, pour tout ce qui est gros travaux, en règle générale, c'est les gros tracteurs qui prennent, hein, donc le CAS et JCB souvent au voyage, hein, comme d'habitude. Et derrière, voilà, le plus gros, c'était jusqu'à présent l'avion. Ah, attendez, je suis bourré. Oui, c'est ce qui me semblait. L'avion, donc du coup, maintenant, c'est le Lamborghini. Et plus tard, je prendrai... le Steer pour faire et les bottes et un peu de travail dans les champs, parce que ça va être faisable avec quand même. Disons que c'est 180 chevaux un petit peu poussés, je suppose. Ah, c'est des chevaux préparés, hein, c'est les chevaux du Quintet, donc il y a moyen. Ok, donc ça c'est bon. Alors il me reste normalement, donc celui-là c'est fait, celui-là c'est pas fait, celui-là c'est fait. Celui-là c'est quasi fini, allez hop, on peut le rendre aussi. Je sais pas pourquoi il y a une récolte là au milieu. Peut-être qu'il y avait de la paille dans le 25. Attendez, j'ai pas vu c'était quoi. Non, c'est rien. C'est pas du sorgho.
Si, c'est du sorgho. Donc ça. Et voilà. Ce qui nous amène à 202 000 belles bêtes. Et il me reste 4 bottes dans les contrats à vendre. Et ensuite, c'est de l'enrebanner. Je crois que dans cette journée, donc là, on a passé un jour. Le maïs pousse gentiment, je vous le dis tout de suite. L'ensilage sera prévu vendredi. En live vendredi. Donc on m'a déjà posé la question hier. Donc voilà. On va faire pour que ça se soit à l'avant-dernier stade. Vendredi. Et ça devra aller. Pour la journée du jour dans le jeu, donc en octobre, là il y a les bottes à finir de vendre hein, cette fois-ci, donc les nôtres. Il reste 4 bottes des contrats, mais globalement, les nôtres, j'ai des bottes d'enrubanées à emmener. Faut faucher le pré des vaches et les deux carrés qui sont juste au-dessus. Ensuite, il va y avoir un peu de farine à s'occuper. Et puis un petit peu, je suppose, les autres à enlever en fait tout ce qui est pain. On va tâcher de vendre pour l'instant, on va faire comme ça, on va tâcher de vendre au prix fort. Donc ça doit être janvier si je vous dis pas de conneries, hein, évidemment. Pareil, le beurre et le fromage, ça doit être en janvier, donc ça on fera en janvier. Et puis voilà. Puis voilà, il va y avoir les noix à récolter, je suppose, d'ici peu, je sais même pas où elles en sont. Elles sont pas mûres, quasiment. Elles sont quasiment mûres, les noix, donc il va y avoir les noix à récolter très bientôt. Et du coup, pour ce qui est frometon. Il n'y a plus guère de lait. Les noix, il en reste 4200 et des bananes. Je suppose que. Il va falloir donner à bouffer aux animaux aussi. Le lait, il y en a un petit peu. Ok. Voilà, il y a pas mal de trucs comme ça à faire, donc redonner à manger aux animaux. Je crois qu'il va y avoir quelques cochons à vendre, donc une dizaine de cochons à vendre. Il me semble qu'on doit être à fond dans les moutons, donc on va en vendre une dizaine ou une vingtaine. Donc les palettes à bouger, la farine à s'occuper, et puis voilà, hein, globalement. Globalement, ce sera tout si je vous dis pas de conneries. Et donc du coup, la farine, je suppose que c'est plein, quasiment. Donc voilà, ça va être beaucoup de manutention cette fois-ci. Mais ça, évidemment, je le ferai tranquillement hors ligne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà un petit peu pour ce week-end dernier, ce qui s'est passé. Là, on va bien voir ce qu'on fait avec la thune. Hein. Je vais la garder pour le moment. Et on va voir si je prends le steer de suite ou si je pousse le 2 de ça 100 heures peut-être. Mais après, j'avoue que ce serait, je pense, utile de le prendre. Hein, comme je l'ai dit, un peu plus de patates pour traîner l'armoire quand elle est pleine. Et puis, on roule à peine plus vite. Et en plus, il serait polyvalent. Là, c'est vrai que je peux faire un petit peu des travaux quand même dans les champs avec le DUT. Mais ce coup-là, tout ce qui est ramassage de cailloux, c'est 109 mètres. Je peux plus le faire. Je peux faire le semi. La charrue, il faut que je la rebalance en 6 mètres à chaque fois. Au lieu de passer en neuf comme on fait maintenant. Et puis je peux rouler. Si je peux faire encore pas mal de choses avec le 2 quand même. Et après je dis repasser la charge en 6 mètres. Mais finalement j'en suis même pas sûr. Parce que si ça se trouve je peux promener en 9 mètres. Mais voilà, je pense que ce serait pas un achat complètement inutile. Ça va peut-être se faire. Je vais peut-être y penser là ces jours-ci. De prendre le steer et puis derrière on verra. Hein. De toute façon il nous faudra un épandeur à fumier. Et puis après, bon, soit on économise, soit on repart sur des champs, soit on change un peu de matériel, soit on achète le TM. On verra. On verra ça avec les autres. Et puis voilà. Puis autrement, après, on n'est pas obligé de tout bouffer non plus. Mais bon, le but, c'est de réinvestir. Hein, sinon, effectivement, c'est comme la France. Tu payes des impôts. Ça, c'est bien connu. On s'y connaît en France en termes d'impôts. Je veux pas dire on aime ça parce qu'en règle générale on n'aime pas ça, mais voilà, on sait ce que c'est. De mon côté IRL, donc là cette semaine, enfin la semaine dernière, enfin cette semaine plutôt, certains parmi vous le savent, pendant le live j'ai eu une semaine assez chargée. En fait c'était pas réellement pour le boulot, enfin si un petit peu, mais pas que. C'était plutôt pour le perso. En fait vous savez que je vous en ai déjà parlé je sais pas combien de fois.
ma future maison dont je suis déjà propriétaire. Avec ma frangine, je vais en racheter la moitié, elle était occupée et là elle n'y est plus. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais ça je vous avais dit que j'en parlerai quand tout sera fini, enfin peu importe, je vous en reparlerai plus tard. Et donc du coup il y a une chier d'entretien à faire. À l'extérieur hein, surtout parce qu'à l'intérieur ça va, bon il y aurait beaucoup de ménage à faire. Hein. Et puis changer 2-3 trucs, enfin, bon ça voilà. Et du coup en extérieur en fait il y a certains endroits, certaines haies qui n'ont pas été taillées depuis 5 ans et d'autres depuis 2 ans et je vous laisse imaginer la friche que ça fait. Et là j'ai eu une chier d'entretien à faire et mon Dieu que j'ai enlevé de la merde et du bordel. Hein. Ah c'était quelque chose. Hein. Mais voilà, c'était une semaine assez dure. C'est pas des. Donc c'est pas des. Enfin je suis habitué à travailler manuellement, hein. Vous savez ce que je fais un peu IRL, mais. C'est pas des chantiers dans lesquels je suis habitué à bosser, donc du coup c'est pas forcément, je sais pas, tout le monde me dit ouais c'est pas les mêmes mouvements et tout, donc peut-être que justement t'es pas habitué, alors peut-être, je sais pas, mais enfin surtout à crapahuter sur le chargeur comme un con, ça je suis pas trop habitué parce que moi et le vide ça fait deux. Mais ouais, j'ai fini la semaine, j'étais arraché de tous les bouts. Et du coup pour ce qui est de la semaine prochaine, donc la semaine prochaine j'ai ça, alors ça mon père qui va le faire. Du désherbage. Moi j'ai une remorque de bois à charger pour une amie. Ensuite je vais commencer de scier pour mon peu-peu. Et puis je vais ranger les outils de fenaison, donc presse en dinard, faucheuse, pirouette. Donc pareil là il va y avoir un peu de nettoyage et du graissage à faire. C'est pas le plus passionnant hein, mais faut faire, faut faire, faut faire. Et j'ai de la barrière aussi à de la clôture à faire. Parce que ce coup-là, même si il y a eu un petit peu de pluie au mois d'août, etc. etc. bah, ça a quand même fini par tarir hein, comme on dit. Hein, au bout d'un moment, de toute façon tu veux pas avoir à bouffer toute l'année dans les mêmes prés, hein, c'est pas possible. Donc je vais avoir des clôtures à tirer et puis et puis voilà en gros pour cette semaine bon, c'est déjà pas mal hein. Je pense pas que je vais faire tout faire ça cette semaine mais je vais déjà en faire une partie. J'ai mon dépanneur de blé qui est toujours plein à vider que j'ai toujours pas fait mais j'ai pas pu, j'ai pas pu, j'ai pas pu. Et puis voilà globalement. Tout ce qu'il y a à faire pour cette semaine, je vous dis pas quel truc je vais faire tel jour parce que j'en sais absolument rien. Ah, on compte pas les imprévus. Ah bah j'aurais pu poser la question ce week-end en live. J'ai un petit souci sur mon Yolande. Alors, c'est compliqué à expliquer. Enfin non, c'est pas très compliqué à expliquer, c'est juste qu'il faut pas que je m'empâture. En gros, quand on embraye en marche avant ou en marche arrière d'ailleurs, hein, peu importe. Il se trouve que quand tu relâches la pédale d'embrayage à fond. Tu fais environ 5 mètres et ensuite le tracteur m'affiche un code d'erreur. Et une mini pression, quand je dis une mini pression, c'est tu laisses un tout petit peu ton pied appuyé contre la pédale d'embrayage et il le fait pas. Et ça, j'ai pas trouvé de quoi ça vient. Après, j'ai pas lu sur le bouquin le code d'erreur. Je sais d'où ça vient, donc j'ai dit je vais déjà essayer. Il y a une espèce de. Pas un capteur, mais il y a un truc à la con au coin de la pédale d'embrayage et je vais démonter le soufflet déjà. Donc c'est pas ça, j'ai regardé les fusibles, c'est pas ça non plus. Mais je ne comprends pas cette connerie. En fait, quand tu laisses. Quand tu dis. Quand tu. Bah, quand t'arrives, t'as ton pied et de la pédale d'embrayage. Il se met en sécurité. Et il m'affiche un code d'erreur et je ne sais pas du tout c'est quoi. Et il suffit qu'une mini pression ait lieu sur la pédale d'embrayage et il le fait pas. Et là, ça l'a fait. Ça a commencé, c'était jeudi quand mon père est au girobroyeur. Et du coup, un peu chiant hein, de finir un chantier où il était en. Quand le tracteur se met en sécurité tous les 5 mètres. C'est un peu emmerdant. Et donc, du coup, il est redescendu comme ça. Et en fait, une fois qu'il le fait, t'as juste à débrayer, rembrayer, il repart. Et 5 mètres après, il recommence. En fait, il est juste redescendu comme ça. Et puis il a dit bon bah demain, hein, tant pis. Et vendredi du coup j'ai pas le temps de regarder.
Non, jeudi, j'ai pas le temps de la regarder, ça y est arrivé mercredi. Parce que j'étais préoccupé avec mon putain de chantier à la con où il fallait défricher et tout. Et en fait, il s'est aperçu jeudi qu'en laissant une toute petite pression sur la pédale d'embrayage, et en fait, il le faisait plus. Et du coup, jeudi, il a tourné comme ça. Je sais pas comment il a fait, hein, parce que moi, garder mon pied sur la pédale d'embrayage sans trop appuyer dessus, parce que autrement, tu flingues l'embrayage, hein, évidemment. Mais en mettant une toute petite pression sur la pédale d'embrayage. En restant comme ça la moitié de la journée, bon merci. Hein. Et puis du coup, bah, vendredi, j'avais autre chose à faire, donc j'ai pas appelé le mécano. J'ai voulu regarder ici, c'est vendredi que j'ai voulu regarder. J'ai démonté, j'ai soufflé ce bordel-là, j'ai regardé les fusibles, j'ai regardé un peu là-dessous. Et pas trouvé, donc si c'est le truc que j'ai démonté, que j'ai soufflé, qui est foutu, ou qui est demi-foutu, on va dire. Ah bah moi j'ai pas de testeur pour le savoir, hein, donc bonne question. Et donc du coup ben on va appeler lundi hein. Parce que tu peux pas tourner 4 acteurs comme ça évidemment, tu vas finir par fusiller l'embrayage. Et puis merde, moi je dors pas mon pied appuyé sur la pédale toute la journée. Hein. Donc j'ai regardé, mais faut que je suis pas pro mécanicien, hein, j'ai regardé pour voir un petit peu parce que je suis curieux, mais là je vais quand même regarder le bouquin avant de m'avouer vaincu. Regarder le bouquin des codes erreurs pour voir s'il me l'affiche. Pour essayer de comprendre si toutefois je pars à des explications. Mais franchement, si je trouve pas, on va appeler le mécano, hein, je pense. Hein. Mais vraiment, un truc à la con, quoi. C'est vraiment. Je n'aurais pas pensé que c'était possible. À la limite, je pensais à un fil qui est à moitié dénudé, tu vois. Et en fait, quand tu mets une toute petite pression sur la pédale d'embrayage, les fils se retouchent. Et du coup, ça repart. Mais en fait, je me dis, ce serait le cas. Il ferait pas au moins 5, allez, on va dire maximum 10 mètres avant de se mettre en sécurité. Tu vois, il serait stoppé complet. Et à la limite, j'aurais préféré parce que stoppé complet sans pouvoir ni avancer ni reculer, c'est un relais. Et ça, je l'ai déjà changé une fois. Il y a un jour, mon père arrête le tracteur. Mais j'étais petit à ce moment-là. Mon père arrête le tracteur. Parce que je sais pas quoi. Il va pour le rentrer le soir. Et là, le moteur. Enfin, il allume le moteur. Et là, il avait beau mettre la marche avant, cutchy, marche arrière, cutchy. Il n'y avait plus de. Il n'y avait plus de cardan non plus, plus rien du tout. Et le lendemain, j'ai notre ancien mécano qui est venu. Et j'avais filé un coup de main, on avait démonté la moitié de la cabine. Tout ça pour un relais qui était foutu dans le tableau de bord. Enfin dans le. Pas dans le tableau de bord, un relais qui était foutu dans la boîte à fusil. Et on a démonté la moitié de la cabine. Assez triste hein la méca. Hein. Mais ça m'aura arrangé que ce soit ça parce que je me rappelais de la panne. Et là j'aurais dit c'est ce relais là. Mais c'est pas ça. Ce n'est point ça, donc on verra. On verra, on verra. Mais je pense pas que ce soit un truc que j'oublierai parce que. Déjà la dernière en date, bah, justement le coup du relais, je m'en rappelle encore, et j'étais petit. Mais je voudrais quand même bien savoir c'est quoi cette panne là. Bon, bref, je vous tiendrai au courant de toute façon. Messieurs, dames, on arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain soir pour la suite. Je sais pas ce qu'on fera, on verra, hein, suivant les chantiers qu'il y aura à faire. Et puis voilà. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un beau dimanche, une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes d'avis en soirée. Je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao.